Salut tout le monde, c'est Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Donc salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour faire ma petite vidéo du mardi. Et j'ai un annoncement à vous faire les amis. Parce que devinez ce que je me suis acheté. Tadou! Et oui, donc voilà, je me suis acheté le livre de P.L. Cloutier. C'était immanquable, c'est sûr que j'allais me l'acheter. Juste pour vous lire un petit peu, rapido, presto, comme ça, l'arrière du livre, on a une petite préface de Sandra Sanchez, hein? La fan numéro 1 de P.L. Son livre, il est en couleur, il y a des pages en papier, comme un vrai livre. C'est aussi beau que mon catalogue de chez Sears, mais avec plus de mots, puis rien à acheter dedans. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Évidemment aussi, il y a la vraie préface de Théo Gordy. Donc voilà, le livre de P.L. Cloutier. J'espère que je vais le voir bientôt, que je vais le croiser pour faire signer mon exemplaire, évidemment. De toute façon, je pense que je vais toujours l'avoir avec moi. Je suis pas un gros liseur. Ceux qui me connaissent savent que je lis pas beaucoup de livres. Mais là, évidemment, le livre de P.L., je peux pas faire autrement que de l'acheter, puis c'est sûr que je vais le dévorer. Donc voilà, c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui. Et vous avez sans doute remarqué aussi mon vidéo que j'ai fait sur Gabriel Marion. C'est un nouveau concept que je vais mettre sur ma chaîne. Dans le fond, comme vous le savez, je fais souvent des shares de l'œuvre. Et puis là, je me suis dit, je vais faire une version plus drôle du share de l'œuvre. Puis ça va être imite ton YouTuber préféré ou imite ta YouTubeuse préférée. Alors, je vais vraiment pas commencer avec personne d'autre que la belle Gabrielle Marion que j'adore plus que tout. Donc voilà, c'était mon imite ta YouTuberse préférée avec Gabrielle Marion que vous avez vu la fin de semaine dernière. Évidemment, il y en a d'autres à venir. Il va en avoir un par semaine. Bon, je vais faire des shares de love de cette façon-là maintenant. Imite ton YouTuber. Et je vous invite à participer vous aussi si ça vous tente de faire des imitations comme ça de vos YouTubers préférés. Je pense que ce serait vraiment drôle. Fait que tout ce qu'on va faire dans le fond, c'est faire le hashtag imite ton YouTuber. Donc, c'était Wes Williams. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.